Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre vidéo de déco pour un skateboard. Je commence donc avec un skateboard noir que je ponce légèrement pour enlever la couche de vernis, ce qui va permettre à la peinture en bombe blanche d'accrocher sans aucun problème sur le nouveau support. Ici, changement complètement de méthode puisque la première, j'avais fait ça complètement à la main. Ici, je pars sur un design que j'ai fait sous Illustrator et un masque que je suis allé découper avec la découpeuse vinyle. Je vous ai épargné tout le footage du découpage et de l'échenillage de ces quatre éléments qui est un petit peu chiant. Cette découpe vinyle va nous servir de masque. Puisque quel est le but que j'essaye de faire avec cette planche de skateboard? J'essaye de faire une géode, enfin en tout cas l'intérieur d'une géode. Donc j'ai fait des espèces de formes géométriques qui sont censées représenter plus ou moins la forme de l'intérieur de la géode. Là c'est relativement simple, je pose tout mon design et je vais commencer à appliquer de la peinture. La peinture, je vais l'appliquer bien sûr avec, je dis bien sûr mais c'est pas évident, je l'applique avec mon aérographe et mon nouveau pistolet aérographe que je viens tout juste de m'acheter. Et je commence par une couleur grise sur le bord. Le but ici est de travailler un tout petit peu sur les différents dégradés avec l'aérographe. Je vais partir sur une couleur bleu sombre, voire même un espèce de violet, que j'assombris et que j'éclaire de différentes teintes. Et je vais essayer justement de faire des espèces de dégradés. C'est un petit exercice et aussi pour voir si mon design il marche ou s'il est complètement pourri. Ça se passe relativement bien, je commence donc par bien sûr les couleurs les plus claires et au fur et à mesure je vais aller vers les couleurs les plus sombres. Comme une géode en fait, qui a vraiment le cœur extrêmement sombre et ensuite au fur et à mesure qui s'éclaircit. Maintenant que j'ai fait la première couleur, la deuxième couleur, je vais aller vers un bleu un tout petit peu plus sombre. Et là aussi, je vais essayer de travailler les transitions pour justement essayer de faire un dégradé qui va du plus clair au plus foncé. C'est relativement simple, il faut régler un tout petit peu mon aérographe. Et là, je passe à la dernière couleur qui est du noir, où je fais juste un petit bord subtil sur tout le tour du skateboard. La peinture est faite. Elle est sèche, il est temps maintenant de passer à enlever tous les éléments qui sont sur le skateboard, qui sont en fait les espèces de gabarits que j'ai fait à la découpeuse vinyle et les enlever pour avoir le résultat final. Alors sur la technique, c'est plutôt bien passé. Sur le résultat final, je suis pas très content du résultat. Je trouve pas ça très beau et surtout ça ressemble pas du tout à une géode. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, sur la technique du masquage avec la découpeuse vinyle et de la peinture avec l'aérographe, ça marche plutôt pas mal. Donc là, vous le voyez, j'ai mis beaucoup de temps... Enfin, vous l'avez pas vu, mais j'ai mis beaucoup de temps à échenier tous les masques faits avec la découpeuse vinyle. Je mets encore plus de temps à enlever tous les petits morceaux de vinyle qui sont sur le skateboard. Parce que bien sûr, il faut que je les enlève, mais que je ne ruine pas la peinture, ni la peinture en dessous, ni celle que je viens de faire à l'aérographe. Ça prend un petit peu de temps, en fait ça m'a pris un peu plus d'une heure, donc c'est un travail de patience, et surtout d'éviter d'être trop bourrin pour ne pas ruiner le résultat final. Comme j'ai dit, la technique est plutôt pas mal, mais le résultat ne me convainc pas vraiment, puisque ça ressemble pas du tout à une géode. Mais en tout cas, c'est une technique que je risque d'utiliser dans d'autres constructions. Ce skateboard-là, ça va être simple. Je vais lui refiler un coup de ponçage et je vais refaire un autre truc. Voilà donc le résultat final. Merci à tous, à très bientôt et que la barbitude soit avec vous.